بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الطلبة، مساعدة التمريض، مساعدة التمريض لمدرسة البيبان، ها نحن عدنا في درسنا من الدروس العلاجات en neuronephrologie، c'est-à-dire les soins en neuronephrologie. Bien. Alors, اليوم إن شاء الله بإذن الله، on va voir ce qu'on appelle un chapitre. Un chapitre, c'est-à-dire les généralités sur les affections rénales. Donc, les généralités, c'est les affections rénales. On va dire, inshallah, نتطرق لكاع الأمراض البكية والمسافات. Donc, on va débuter avec ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Donc, insuffisance rénale. Donc, le plan du cours, باش نعرفوا l'insuffisance rénale. Donc, on va aborder la définition de l'insuffisance rénale. On va aborder aussi les fonctions du rein. Encore les facteurs favorisants de l'insuffisance rénale. On va voir en premier les défaillances organiques, c'est-à-dire voir l'insuffisance qu'on appelle IRA, l'insuffisance rénale aiguë. Ensuite, on va aborder la dégénérescence de l'organe, le rein. Donc, ensuite, on verra les conséquences physio-pathologiques du rein. Les signes cliniques, c'est évident, le diagnostic et les axes thérapeutiques. Bien. Par définition, l'insuffisance rénale, bien sûr, ou IR, donc ça c'est un pseudonyme, un pronom IR, insuffisance rénale, est tout simplement l'incapacité du rein à assurer ses fonctions. D'accord ? Quand on parle d'insuffisance rénale, c'est-à-dire que le rein est incapable d'assurer donc les fonctions rénales. Donc, parmi les fonctions rénales, donc quelles sont les fonctions du rein ? Premièrement, l'élimination des déchets. Ça, c'est une fonction. On va éliminer les déchets. Les déchets. Et deuxièmement, donc c'est le maintien, je dirais. Le maintien de la constance du milieu intérieur, qui fait comment c'est le maintien de la constance du milieu intérieur? Premièrement, en régissant l'équilibre hydrique. Donc, l'équilibre, quand on parle des facteurs, les fonctions, du rein, donc l'équilibre premièrement hydrique, l'équilibre électrolytique, et finalement l'équilibre acido-basique, donc l'équilibre l'ahmar li يقوم بهم الوران كوظيفة. نشوفوا لي فونكسيون سينتيتيك، سيتادير سي هذيك كيما نقولوا حنايا لوكانيزم، سيتادير هذيك لوكانيزاسيون داكور اللي يقوم بها الوران. دونك parmi les fonctions synthétiques et antitoxiques، المضادات لكل ما هو toxique. Donc le rein, il assure la synthèse. Donc le rein, il assure la synthèse, c'est-à-dire donc la synthèse de nombreux produits. Donc, de nombreux produits, comme c'est-à-dire tel que l'urocran, le pigment jaune de l'urine, l'urocran, c'est le pigment jaune de l'urine, c'est l'acide hypérique, donc l'hamd hypérique à partir des composés, donc zinc et des composés, l'inalfonome, toxique et ammoniaque. C'est vrai que le mal, les seins, donc l'hamd ou l'ammoniaque, c'est un produit chimique.
Zip, le pouvoir de sélection. Donc, c'est-à-dire, c'est un bizarre, donc, certains constituants non lotissants, donc, les constituants, les, c'est-à-dire, les communaux, les constituants normaux, les normales, les protéines, d'accord, les lipides, d'accord, ne sont jamais éliminés dans l'urine. Les composés constituants normaux du sang, qui les protéines, ils ne sont pas éliminés par le rein. Zid, la fonction endocrine, mais ne sauvage. Donc, on va dire endocrine, c'est-à-dire, les tourines, Bayla, had le rein, had le chila, yintige hormonette. Donc, il fabrique des hormones. Bien. Awalen, l'érythroprotéine, had l'hormone l'érythroprotéine, chedid, elle stimule la formation de les globules rouges, ta khouirat l'hormone. Hiya, li, tkoun mu'ahil, li, intège, had l'khouirat l'hormone, li, hiya, l'érythroprotéine. Anna, l'arénine, had l'arénine qui intervient dans la régulation par la pression artérielle. Match. Le cofiana, hadi hormona, li, intège, had l'hila, tkoun, dans la régulation de la pression artérielle. On a les prostaglandines qui aident les circulations locales, donc les hormones. Ensuite, on a les enzymes qui agissent sur l'enzymate, qui agissent sur la vitamine D. Donc, le calcium, le mangoulou, vitamine D, le calcium, le mangoulou, les os, l'adoma. Alors, on va donc, les facteurs favorisants, les awamel, les alors, quelle est la défaillance organique? La défaillance organique, maintenant, tout simplement, insuffisance rénale aiguë. Donc, IRA, qui est l'insuffisance rénale aiguë. Donc, il était confirmé, mais il existe trois insuffisances rénales aiguës. Trois insuffisances de l'IRA. Alors, même bien évidemment, quelle est l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle? Quelle est l'insuffisance rénale aiguë organique? Ou quelle est l'insuffisance rénale aiguë obstructive? Donc, la défaillance, donc la défaillance organique. Bien. On me parle de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, l'insuffisance rénale fonctionnelle, il y a tout simplement une perte hydrique de 55% des cas. تعطينا واحد الامباث دونك واحد الخساره تاع الماء دونك اللي تكون لما تكون انسيفيونس رينال فونكسيونيل ايغو فونكسيونيل تعطينا خساره 55% دابور من الماء تاع الكلى في اجمل لي كا او سوا تكون سبب ان ايموراجي دونك تكون ان ايموراجي دي بريلور ولا اون ديزيدراتاسيون سي سا اون بارل de l'IRA fonctionnelle, l'insuffisance fonctionnelle, donc soit hémorragie ou la perte hydrique qui est de l'ordre de 55% des cas, soit une hémorragie, une brûlure, soit une suite à une déshydratation. Ensuite, ça peut être un état de bas qui a le débit sanguin. Donc un état de bas dans le débit sanguin, c'est-à-dire que je ferai généralement l'anesthésie, je ferai les médicaments vasodilatateurs. Alors, je fais l'IRA, l'insuffisance rénale fonctionnelle, donc je fais IRA, seulement le chadran, je fais organique, l'insuffisance rénale organique, où je fais l'IRA, fait 40% des cas, 40% des cas. Et ça va, normalement, ce qu'on appelle une obstruction, une obstruction des artères rénales. Alors, soit par une thrombose, donc un caillot de sang, soit un traumatisme, soit une embolie de cholestérol, c'est-à-dire une accumulation, bien évidemment, une accumulation au niveau de l'artère de cholestérol avec une athérosclérose. Donc, athérosclérose, c'est un athérome. Bien. Ou une athète rénovasculaire et glomérulaire. Glomérulonéphrite, donc soit une glomérulonéphrite, soit une hypertension liée. Elle a un rapport avec ce qu'on appelle l'hormone liée à la rénine. Ensuite, elle peut être toxique. Voilà en ce qui concerne, bien évidemment,
d'insuffisance rénale qui me brûle organe. Alors, on retrouve que je fous la troisième insuffisance rénale, elle est IRA obstructive. IRA, insuffisance rénale, par obstruction, elle fait 5% des cas. Bien. Alors, il s'agit de quoi dans l'insuffisance rénale obstructive? Il s'agit d'une obstruction des deux reins. Donc, soit qu'il y a des calculs, il y a une amie ou le régime, au niveau fécrit là, soit il s'agit probablement, d'accord, probablement d'un cancer. Donc, d'un cancer dans 70% des cas. Donc, il est en délofile sana, mais là, l'insuffisance rénale obstructive, il y a 5 cas. Dans les 5 ans, donc ça peut être donc soit des calculs, soit un cancer. Alors, il se faut donc la dégénérescence de l'organe. Donc, dégénérescence de l'organe, ça veut dire tout simplement une IRC, insuffisance rénale chronique. Alors, chez Choufou, c'est l'insuffisance rénale chronique, donc il se peut qu'il s'agisse d'une glomérulonéphrite primitive, c'est-à-dire un dysfonctionnement des glomérules au niveau de l'appareil rénal, soit il s'agit d'une néphropathie interstitielle, surtout pyélonéphrite chronique, d'accord, et ça peut être aussi une néphropathie vasculaire par qui me tremble tout à l'heure par dépôt d'athéron. Donc j'ai parlé de l'athérosclérose, donc une sclérose de l'athéron. Il peut s'agir aussi d'une néphropathie diabétique, il ne faut pas l'oublier. Donc ça peut être par épaississement du sang, donc par épaississement du sang, et comme il peut s'agir de néphropathie héréditaire, qu'on parle généralement de polykystose, donc de polykystose, donc on parle, c'est-à-dire d'une succession de kystes au niveau poly, ça veut dire une augmentation ou une succession de kystes au niveau des reins. Maintenant, on va voir les conséquences physiopathologiques. Alors, conséquences physiopathologique, telle l'insuffisance rénale aiguë. Bien évidemment, c'est l'absence d'épuration, c'est tout simplement, et d'élimination de l'urine, c'est-à-dire des déchets organiques. À la conséquence, la première conséquence physiopathologique, c'est-à-dire que les reins, mamadish, et en devenant le rein, c'est-à-dire les déchets organiques, tout simplement. Zid, quelle que soit sa cause ou son mécanisme, mais le mécanisme ou c'est-à-dire mécanique, c'est le rein. Si le parenchyme rénal est atteint, lequel le relève, il est atteint, ça veut dire qu'il est objectivement vers ce qu'on appelle l'IRC, l'insuffisance rénale chronique. Alors, l'insuffisance rénale chronique, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire tout simplement une diminution progressive, c'est-à-dire que le rein, l'on a dit, yaksou. Alors, yaksou est irréversible, c'est-à-dire que yaksou est un touche-moulou qui n'a pas l'on a fait. Là, madame, les conséquences de la diminution progressive, elle est irréversible, mais elle est un touche qui m'a fait, et Bethali, l'on a fait le rein, et pas. Alors, nous chauffons les signes cliniques. Bien. Alors, les signes cliniques, c'est l'insuffisance rénale aiguë. On a la phase de constitution, de diminution, on a la phase de constitution, diminution de la duresse. C'est-à-dire que la duresse va dire très bien. Nous faisons la perturbation du bilan urologique. Nous faisons le tahalib, nous faisons le tahalib, en augmentation, les chiffres de la créance. D'accord? Zil. Tout ça en rapport entre la créatinine sanguine et la créatinine urinaire, d'accord, qui, nisbeten, elle permet d'évaluer, pour évaluer ce qu'on appelle la capacité de filtration du rein. Donc sanguine et urinaire, elle permet d'évaluer, la filtration de l'un est l'excrétion. Donc, je précise là les déchets de la créatine. Mais bien, la phase d'état de l'insuffisance rénale aiguë, elle est de 1 à 6 semaines. La phase d'état, de 1 à 6 semaines.
Alors, nous cherchons un syndrome biologique. Chaque syndrome biologique, nous cherchons une perturbation. Donc, nous cherchons une grande perturbation. On a voulu plus, trois fois. Nous cherchons une hyperhydratation, une hypercalémie, ensuite une anémie, ensuite une dénutrition. Durant cette phase d'état qui est de 1 à 6 semaines, hein, je chauffe. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la phase de récupération. Il y a même, alors, il y a même la chérie. Je chauffe, le manufacture de récupération, je chauffe une amélioration progressive. Donc, une amélioration progressive, de quoi on a toujours fait la duresse, d'accord, et des résultats du bilan sanguin. Tout simplement. Ensuite, nous avons l'insuffisance rénale aiguë, et là, donc avec photo, l'insuffisance rénale chronique. Alors, elle est longtemps asymptomatique. C'est-à-dire, ma'anhaj, ma'tadarj, l'insuffisance rénale chronique, donc, ma'anhaj, chacun a des signes. Il est asymptomatique. Du fait de la capacité de réserve fonctionnelle du rein. Parce qu'il y a des réserves, ou des filles, les pas, et donc, ils ont le rein, ils pompent le roi neuf, c'est pour cela que m'a fait couler. Chez un chauffe, par exemple, une asthénie, donc, fichier, une fatigabilité, un chauffe, une pâleur, c'est-à-dire un mal de chair, un essoufflement, donc, un téléphoster, c'est-à-dire l'effort, les dire, il y a une dame là, qui sont bien sûr l'asthénie, la pâleur, l'essoufflement. Ils sont bien évidemment consécutifs à la baisse de quoi de la production de l'érythroprotéine EPO. Donc, mettre la vie, les scènes, ou les asthéniques, ou les faibles, donc, et ou les ischèbes, ou les méningites, et le contrôle, ils donc, l'érythroprotéine, l'hormone EPO, qui stimule la formation des globules, ou des globules rouges, le mât, tarna, l'insuffisance rénale aiguë. Alors, c'est par conséquent rien qui stimule la formation des globules rouges par la moelle osseuse. Même là, on va dire que je fous des œdèmes. C'est vrai que l'insuffisance rénale chronique va dire que je fous des œdèmes. Donc, une tifère, des enflements consécutifs à l'incapacité du rein. Donc, le rein interne, avec le rein interne, pour réguler d'accord, le milieu intérieur. Et là, la constance, la constance du milieu intérieur. Elle est d'aide par. À ce moment-là, le PE, l'érythropoïtine. Donc, consécutif à la capacité de réguler le milieu intérieur, c'est-à-dire les mouvements, le milieu intérieur de l'eau, les mouvements de l'eau. Quand on dit l'insuffisance rénale ou l'insuffisance égale, donc elle est soit fonctionnelle, elle est soit organique, elle est soit obstructive. Donc, le fonctionnel, il y a une perte, d'accord, une perte d'eau qui est de l'ordre de 55% des cas. Tout simplement, les mouvements de l'eau dans l'organisme, le rein, l'emploi du vent, etc. Nous souffrons de l'hypertension artérielle, HTA. Donc, consécutif à l'incapacité de l'eau, à produire tel quoi de l'hormonal, les gounas, comme tout à l'heure, les gounas, la rénine. L'IA, tâté, était aux intérêts, la tension artérielle. Donc, on a tenu le matroun, le rein, mais moi je peux le voir du fatah, donc l'insuffisance est chronique, mais moi je peux le voir du fatah, donc l'hormonal, matrouche, moujouda, ou l'atroun, moujouda, mais pas l'IA, donc on matrouche pour le voir du fatah, lesquels tombera, à l'aide de chi, tâté là, c'est-à-dire la HDR qui intervient dans la régulation de la tension artérielle. Associé à l'augmentation de la volumie par qui m'a donné une incapacité d'élimination. Même là, on rechauffe les troubles digestifs. Alors, les troubles digestifs, c'est normalement les troubles par l'accumulation des déchets. Les déchets des hyènes, chez vous, et qu'on a les troubles digestifs dans l'organisme. Donc, on rechauffe des fourmillements. L'IRC, l'insuffisance rénale, nous chauffons des crampes ou nous chauffons des prurites. Maintenant, on va passer au signe particulier.
flissing par clinique, quand je fais l'augmentation de l'urée et de la créatinine dans le sang. Chabadi, Alèche, par l'urée créatinine. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation des déchets, des trucs que vous avez. Zid, je trouve des trucs électrolytiques, parce qu'il y a des trucs qui sont en train de se intérieur. Alèche, parce que le rein, marachéco, marachéculé, le rein ne régule plus le milieu intérieur. Et les électrolytes, les romans, le mangoule électrolyte, ça veut dire quoi? Ça veut dire MLA, ça veut dire le sodium, ça veut dire le potassium, ça veut dire le chlore, ça veut dire le bicarbonate, d'accord? Et ça veut dire le calcium, ça veut dire le phosphore. C'est tout comme les électrolytes, c'est tout comme le MLA. Mais ben, je trouve l'anémie, frissée par la clinique. Alors, l'anémie, pourquoi? Parce que c'est un hormone à l'EPO, donc, qui est l'érythropoïétine, donc elle ne stimule plus la formation des globules rouges par la morocèse. Ensuite, je trouve des troubles de la concentration des urines. Oui, la concentration, c'est un bon consécutif à un dysfonctionnement, tout simplement, du ou là, dysfonctionnement du mécanisme d'ultrafiltration, c'est-à-dire l'eau est filtrée. Bon, ben, je trouve le marbre, elle a les fonctions acido-basiques, on a défini, maintenant. Donc il y a des fonctions acido-basiques. Un homme est radé dans le pH sanguin acide consécutif à l'accumulation des déchets dans l'organisme. Le pH acide. Alors, pour l'IRA, le diagnostic se fait sur la baisse de la diurèse et le résultat des bilans biologiques. Un homme, il a dit le diagnostic. Et quand on parle de diurèse, ça veut dire la quantité d'urine et la qualité d'urine. Donc, quelle est la diurèse des 24 heures, comme quelle est la diurèse des horaires. Pour l'IRC, il suffit sur le résultat des bilans biologiques, tout simplement, c'est-à-dire sang et urine. Alors, maintenant, par rapport à l'axe thérapeutique. Alors, le man, Rabi, quel mot à l'axe thérapeutique, Rabi Ngoulou, tout simplement, qu'il y a l'axe thérapeutique de l'IRA, d'insuffisance rénale aiguë, ou qu'il y a l'axe thérapeutique de l'insuffisance rénale chronique, il y a ISC. Alors, IRA, le traitement de la cause. Alors, qu'il y a toutes les lois de l'insuffisance rénale aiguë, ou qu'il y a fonctionnelle, ou qu'il y a organique, ou qu'il y a obstructif. Maintenant, on va tout simplement l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est-à-dire la réhydratation. L'insuffisance rénale obstructive, le traitement par néphrostomie percutanée, c'est-à-dire un cathéter placé radiologiquement, d'accord, dans le bassinet, ce qui permet d'évacuer l'urine. C'est ça l'axe thérapeutique. Donc, le fonctionnel et l'obstructif. Implicitement, dans ce qu'on appelle le traitement substitutif lié à la dialyse. Alors, donc, l'insuffisance rénale chronique, dialyse, médicaments hypertenseurs et recommandations nutritionnel. Voilà, je vous remercie.